bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique, évidemment, avec The Last of Us 2. Installez-vous confortablement, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir. Prenez quelques minutes si vous le pouvez, je vous en remercierai énormément pour poser votre plus beau j'aime, s'il vous plaît, ainsi qu'un petit commentaire, histoire de balancer tout ça en top tendance. Ça me ferait extrêmement plaisir, évidemment, profiter, si vous le pouvez, de la 4K 60 FPS. Et vous allez être nombreux à me dire, mais B-Boy, la 4K 60 FPS, je ne peux pas. Oui, mais dans 2 ans, tu pourras. En tout cas, je l'espère pour toi, sinon tu auras vraiment un train de retard. Et crois-moi que dans 2 ans, tu seras bien content si tu veux revoir The Last of Us 2, de l'apprécier en 4K 60 FPS, tout comme dans 10 ans aussi, parce qu'il sera encore très beau et très regardable. Donc, profitez-en, je pense à l'avenir, je ne pense pas au présent. Allez, on est parti, on va arrêter de raconter nos vies, on ouvre la carte. On devait aller tout simplement au dôme pour remplir les jerrycans d'essence. Et pour aller là-bas, il n'y a qu'une solution, c'est la bagarre. Donc c'est parti, là ça va être la rue la vraie. À mon avis dans le dôme ça va t'as vu une chicote. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. Distribution de carburant, ça paraissait évident. Bougez pas. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. Ne bougez pas, à mon humble avis, il y a quelque chose d'intéressant là-haut. Peut-être... Ah, vous êtes ici, très bien. Peut-être une pub. Ah, le festival du livre. Ça, c'est intéressant. Bon, il y a pas. Il n'y a pas ce qu'on attend. Bon, tu nous attends la paillette, d'accord. Et puis nous, bah, on va se faire arracher la gueule. On va se faire arracher la gueule tous ensemble. Sachant que niveau pistolet, c'est très critique, j'ai une balle. Niveau pompe, c'est très critique, j'ai une balle. Donc, faut espérer que tout se passe bien. On va essayer de fouiller vraiment un maximum de trucs. Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant même. Tiens, 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 encore what? On va essayer de fouiller là-haut. Oh, ça me plaît ça. Ah, c'est du solide. Tu peux passer? Bah oui, abusons pas. C'est bon, vas-y. Ok. Je croyais qu'il fallait rentrer dans le dôme. Merde, désinfecté. Très bien. Lâche-toi. Très bien. Ok. Let's go! À l'ancienne! Hop! La seule issue, c'est la bagarre! J'ai pris des tartes! Oh! Ok! Hop! Oh là 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 là! La seule issue, c'était la bagarre! Je suis désolé, putain! J'ai une revanche à prendre, ok? Ils ont tué mon Joël! Ok. On dirait bien. Ah non, la seule issue, c'était réellement la bagarre, hein. Attends, je sais même pas si je suis dans la bonne direction, hein. Merde. Oh. Ah ouais. Oh, c'est trop stylé. La seule issue, ça va être la bagarre encore une fois. Achève-la, achève-la, achève-la. La bagarre! Ok. Là, je peux plus, là. Faut plus... J'ai plus de balles, j'ai plus rien. Je devais peut-être pas venir... Je pige pas un truc. S'il y avait encore des gens dans le coin, ils auraient nettoyé la zone. Peut-être qu'ils sont pas arrivés jusqu'ici. Peut-être. Allez, faut trouver de l'essence. Ouais, c'est bizarre, ça, hein. Elle est peut-être... avec des peut-être, on fait pas grand-chose, hein. Ok, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. On va confectionner ceci. Moi, vous savez que les cocktails Molotov, moi j'innove, ta carrière, je chève. Ok, on y va. Ah, seuls les plus vieux connaîtront. Bonjour, il est temps de prier dans ce Capitole. La rédemption. Voilà.
c'est rien, ça arrive. Hein. Oh, j'ai pas de quoi me défendre, j'ai rien. Allô, s'il vous plaît. Ellie, c'est une synagogue. Mais ouais, j'ai rien du tout. Ouais, mais... Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Ouais, synagogue, synagogue, mes amis... Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. Ah, tu veux me dire quoi, dis-moi. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Ok, ça on prend. Bon, on s'en sort pas trop mal, je vous avoue que j'aimerais bien trouver des petites balles. Ok. On peut ouvrir ici. Oh là 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 là, ok, c'est une petite réserve. On va la faire, je sais que j'ai loupé quelque chose derrière. Vous êtes nombreux à dire « Ah, B-Boy, t'es passé à côté d'un truc !» Bon, je vais pas vous rappeler 300 fois comment ça se passe quand on record, hein. Vous... Vous n'êtes que spectateur, donc vous avez une vision bien plus élargie. Moi, en tant que joueur, ma vision est concentrée sur le centre de l'écran. Ce qui explique beaucoup de choses si vous avez encore un cerveau en état de marche, évidemment. Mais bon, ça, après, je juge pas, vous le savez. Hein, c'est pas moi qui vais prendre ce risque-là. J'ai trouvé de l'essence. Il n'y a plus qu'à y accéder. Eh ben, j'ai trouvé. Allez. Ouais, on va passer par là. Juste avant, on va aller fouiller derrière. Sur un malentendu, on peut encore peut-être trouver des petites balles. Des Michel, ça serait pas mal. Parce que là, je suis très ric-rac. J'avoue que je commence à avoir le cœur qui palpite. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce que je peux tenter une micro-cascade? Ça sert à rien, il n'y a rien de l'autre côté, je pense. Bon! Ça sent pas bon. 10 contre 1. Bon, vous savez que c'est du Naughty Dog. Alors, Naughty Dog, c'est quoi? Dès qu'on accomplit un objectif comme les 100... Comment je sors d'ici? Ah mais je m'en fiche, mais t'inquiète pas, mais je vais m'en sortir. Quand on accomplit un objectif, c'est là où il lâche les chiens entre guillemets. Donc là, ça peut swinguer très rapidement et ça me fait peur. Ok, alors... Oh merde, c'est génial. Sois peu, on a l'essence, on a l'essence, on va peut-être pouvoir partir. Oh putain, c'est génial. Il va se passer quelque chose. D'accord. Bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Comment je me tire? Hop, comme ça, tout simplement. Regardez, hein, regardez. Je vous annonce la mort du petit cheval. Et je parle pas de paillettes. Quoique, je vois pas par où ils peuvent. Ça t'arrive encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. Ok, vas-y, raconte-moi ta vie hein, pendant que je tire ça comme... ouais, ça me paraît tendu, ça. On va passer par ici, ça me paraît pas mal. Allez, the body! Je sais pas ce qu'il y a dans ces cartons. Ça va. Assez léger. Allez, go! Je vois que ici en issue. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, ça, c'est pas mal. Ok, une fiche. Très bien. Alors. Première classe, Miller. Selon nos sources, le WLF aurait une base active à l'angle de Springs et de la 5e. Rassemblez les soldats disponibles de votre secteur et rendez-vous sur place immédiatement. Exécutez les suspects, sécurisez les lieux et attendez mon arrivée. Sergent Ward. Première classe, Miller. Qu'est-ce que tu dis de ça? Les amis... Miller, ça vous dit rien? Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, lâche cette corde, tu vas faire des bêtises. Bouge pas, je vais fouiller à côté.
Parce que là, tu commences déjà à abuser, là. On va fouiller ça. Oh, j'ai eu tellement peur. C'est quoi, ça? Oh, ça, c'est la Torah. La quoi? Disons que, dans le judaïsme, c'est un peu... l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Ok, on va fouiller peut-être sur un malentendu. Ils auraient pu donner des petits trucs, non? Je sais pas. Non, c'est dommage. C'est dommage. Allez, on récupère la corde. Pas grave, Tumpy. On va essayer d'aller de l'autre côté tranquillement. Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Eh oui, mais bien sûr, mais c'est facile, ça. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. Ok. Ça va être l'enfer, hein. Allez. Allez. Aucun problème. Pas de problème. Que des Allez, solutions. Dina. On peut passer okay. par ici. Mais on va quand même fouiller là-bas. Ce serait dommage de passer à côté de tout le reste. Oh, on a des choses potentiellement intéressantes. Comme 5774. On a fait un bond dans le futur. Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an. Ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant j'en ai envie. Ah, ça devait être bon. Pendant les fêtes juives, on mange tout le temps. Et puis, on se félicite de ne pas avoir été annihilés par nos ennemis. Une longue lignée de survivants. Exactement. Qu'est-ce qu'elle dessine? Tiens, tiens, tiens. Encore what? On va voir. Pourquoi elle dessine ça? Je cherche la foi par la douleur. Pourquoi un papillon? L'effet papillon, peut-être? On va lire ça. Alors! Lieutenant Torres, il y a 70 ans, mon grand-père a quitté l'Allemagne avec sa famille pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Il a fui grâce à la bonté et la bravoure d'une famille polonaise. La vie suit son cours et le cycle continue. Ce soir, ma famille fait ses valises et, grâce à votre générosité, nous quittons la ville escortés de vos courageux soldats. Merci de m'avoir aidé à préserver notre synagogue. Il est difficile d'abandonner notre maison, mais au fond, ce sont les personnes vivantes qui comptent le plus. Vous portez sur vos épaules une lourde charge et j'espère que nos conversations nocturnes vous ont aidé dans votre tâche. J'ai pour vous une dernière... pensée. Chaque pas qui nous éloigne d'un monde meilleur est généralement suivi de deux pas dans sa direction. Gardez espoir en l'avenir. Comme le dit l'adage, il suffit d'une bougie pour dissiper les ténèbres. Que Dieu vous protège. C'est un rabbin, Ziva Saunders. Très bien. J'espère que vous êtes sains et saufs. Et on peut partir, on se bordit. On va passer par ici calmement. Alors, tiens, tiens, tiens. Est-ce que ça peut partir encore en cacahuète? On a notre essence. Bon, bah très bien, c'était notre seule issue. Mais là, dites-moi pas que la seule issue, encore une fois... Hop, une micro-cascade qui fait très mal aux jambes. Bon, le portail maintenant. Très bien, on peut retourner au portail. Y a plus rien à faire ici, c'est inquiétant quand même. Maintenez la carte pour l'étudier. Alors, on a tout fait. Ah non, on n'a pas fait le garage. Et comment on y va? Bah oui. Mais oui, c'est clair. Comment on peut aller au garage? Alors, ça, on va fouiller. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique en vrai. Regardez-moi ça. Hop, un wallpaper. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Ah, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. J'ai un problème. Je vois aucune putain de solution, si je peux me permettre cette expression, pour aller du côté du garage. Donc là, ça m'embête. Comment on peut aller au garage? Comment on peut aller au garage? Soit par Spring Street, soit par Columbia, Sherry
ou Jane Street. Ok, où est Payette? Il est là. Ça m'embête, je sais pas trop comment y aller. Vas-y, viens ma grande. En avant, Payette. En avant, Guingamp. On va passer par là-haut. Eh, hey, oh, tout va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. Tu sais, j'ai toujours rêvé de... retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite. Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment? Oui. Vraiment. Ça m'embête beaucoup, hein. Ça m'embête beaucoup. Je vois pas du tout comment on peut aller de l'autre côté, hein. Putain, il y a un garage là-bas, là. Mais je vois pas du tout comment on peut y aller. Et par ici, ça me semble bien tôt. Les égouts, peut-être, je sais pas. Là, je vous avoue que... Que dalle. Je vous avoue que je teste des trucs, mais... on est en phase de bêta-test. Comment... Oh, c'est pas vrai. À gauche, on peut pas. Ici, on l'a fait. On va devoir passer à côté, hein, je pense. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Toute évidence, tout est fermé. On l'a déjà fait. Oh, regardez. Tiens, tiens, tiens. Tu reconnais quelqu'un? Non. Ils sont trop vieux. Ceux de Jackson étaient encore des gosses à l'époque. Ok. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Je réfléchis, je suis désolé. Je réfléchis. Ça me tracasse. Il n'y a rien du tout. Et là où on l'avait déjà fait, il n'y a rien du tout. Bon, écoutez, je ne vois pas d'issue malheureusement. Donc on part, on va alimenter le portail. Tant pis, peut-être qu'on va retrouver une des personnes qu'on voulait retrouver, je ne sais pas. On est à la recherche de vérité, surtout à la recherche d'une vengeance. Parce que c'est quand même relativement terrible ce qu'ils ont fait à Joël. T'es un frère pour nous. C'était un père. C'était beaucoup de choses à la fois. Alors, bougez pas. Ok, très bien. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Je sais pas du tout ce que ça peut être. On va traverser tranquillement. On va peut-être pas passer par là, on va passer par l'eau tranquillement. On ramène l'essence jusqu'au portail Cathédra. Ok. Alors attendez. Eh bah, quelle aventure. On a croisé aucun WLF. Eh, hey, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. WLF, wesh la famille. On va passer par ici. Cascade! C'est bon. Bon! Allez, Payette, on nous attend ici. On va pouvoir ouvrir un portail qui, à mon humble avis, va être très intéressant. Parce qu'on va pouvoir aller à, au Serevena Hotel. C'est parti. Putain, tout ça pour les gars, un demi-litre d'essence. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Gate S2. Alors. Ces vieux générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais? Non, rien. S2 5345. 5345. On est bon. Attends, viens Payette. On va y aller à pied, on va pas abuser, je vais pas quand même prendre le cheval. Les gars, j'économise, d'accord. Oh putain, j'ai déjà oublié. L'homme a la perte de mémoire instantanée. Ouais, désolé, je perds très vite ma mémoire, j'oublie tout, je répète toujours tout deux fois, c'est terrible.
Ouais, c'est terrible, je perds la mémoire, j'oublie tout, je répète toujours 2 fois, c'est terrible. Ok. 53-45, on est bon. Ça a marché. Eh bien, eh bien. Bon, welcome. Ou alors, ils se sont planqués. Welcome. J'ai bien les fenêtres. J'ai plus rien, c'est terrible. Alors, j'aimerais vous dire un truc vite fait. Wolf, WLF. J'ai compris. Ah ouais, ça se tient. Ah, c'est pas Wesh la famille. Mince. Vous êtes très nombreux à me dire de faire des épisodes plus longs. Alors je vais vous répondre tout de suite, arrêtez. C'est vraiment un des trucs que je trouve un peu irrespectueux. Si vous n'êtes pas capable d'attendre l'épisode suivant, bah n'hésitez pas à aller voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Moi, je mise tout dans ce let's play, dans la qualité. Voilà, je veux que dans 10 ans, ce let's play soit encore visionnable et soit appréciable. Je vais tout mettre dans la qualité visuelle. Il n'y a rien qui pollue votre écran à l'heure actuelle. D'accord, hein, il n'y a pas de facecam, il n'y a pas de don, de sub, de tout ce que tu veux. Voilà aussi pourquoi je ne le fais pas en live. Vous avez vraiment un produit brut, c'est comme si j'étais un peu à côté de vous finalement, dans la même pièce que vous et qu'on jouait ensemble à ce jeu incroyable. Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. Ah. On pourrait faire pareil du coup. Pas de coup de feu, c'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Déjà parti, tout simplement. Et donc, vous aurez très vite compris que faites ce que vous voulez. Moi, je veux vraiment vous apporter ce The Last of Us 2 comme une série un peu Netflix à dévorer tous les soirs avec une qualité irréprochable et incroyable. Et je suis très satisfait de ce que je vous offre là. Si vous n'êtes pas capable d'attendre, si vous avez un comportement un peu d'enfant égoïste qui veut tout de suite, malheureusement, je ne pourrais rien faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. C'est pas grave, vous ne manquerez pas finalement. Je peux pas comprendre spécialement, mais voilà, si ça vous gêne pas de regarder dans de piètre qualité ou autre, pas de soucis. Voilà, hein, je dis pas que je fais la meilleure qualité, loin de là, je dis juste que je fais la qualité à ma sauce, et je suis très satisfait vraiment de ce que je vous propose, j'en suis très heureux. Donc ceux qui savent et qui aiment apprécier cette série et ce jeu à sa juste valeur, bah ça me fait très plaisir, voilà. Donc arrêtez de demander des épisodes d'une heure ou autre. C'est de la 4K 60fps de rendu, je ne peux pas. J'ai un i9, mais mon PC, il fait des hard reboots, c'est un enfer à rendre. C'est des heures et des heures, donc respectez un petit peu ce côté du travail, au moins, si vous le pouvez. Mince! Il reste 3 quand même, hein, c'est beaucoup. Hein. Allez, faut brûler en enfer, s'il vous plaît. Parfait. Ok. Ça, c'est fait. Ah ouais, j'ai plus de balles, hein. À la guerre comme à la guerre. Ici, c'est la rue. La vraie. Ok. Bon, normalement, il n'y a plus personne dans cette pièce. Allez, on va fouiller. Hop, ça, je prends. Ça, bien sûr que je prends. D'ailleurs, ah, c'est de l'eau qui me manque. C'est de l'eau. Putain, on avait des jerrycans d'essence à volonté. J'aurais pu me faire 4 milliards de cocktails Molotov. Ellie n'a pas eu cette idée-là, malheureusement. Oh, 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 oh. Heureusement. Oh, Sugoi. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh. Celui-ci est encore chaud. Il y a un loup sur son insigne.
On dirait qu'ils ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. Okay. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un vulgaire infecté... Ils seraient morts, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. Et je suis totalement d'accord avec toi. Pour faire le plein. Ça va swinguer, hein, vous le savez. Ça va totalement swinguer. Bougez pas, on va en profiter de suite pour se faire un petit cocktail. Voilà, c'est pas mal. Ça, on peut pas ouvrir, il y a une barre de fer de l'autre côté. Oh, passe ta main, abuse pas. Voilà. Non, parce que là, si elle fait, ouais, on fait demi-tour, c'est bloqué. Je pète un câble. Hein. Je pète un câble, je brûle tout. On n'a rien fait encore de cette pièce, donc... Eh ben, on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Petit baby-foot. C'est très bien, le baby-foot. Vous aimez le baby-foot? On va tout fouiller. Prendre son temps. Très bien, je suis plein en termes d'eau. Est-ce que par hasard... Ok, mode écoute, vitesse de déplacement 2. C'est pas mal ça, vous en pensez quoi? Confection d'amélioration. Allez, on va faire ça. Confection, lien, lame, arme de corps à corps. Voilà, je peux crafter de nouvelles choses. Regardez-moi ça. Super! On n'avance pas beaucoup, mais ça reste super. Bon! On peut se tirer. On a quoi là? On a rien. Et là, on a rien aussi. Très bien. Ah, peut-être le dépôt? Oh, la cheminée aussi. Là, peut y avoir des choses partout. J'ai localisé quelque chose là, je crois, non? Non? Faut ça un... Ok, faut un 10. On se casse. Le dépôt, on peut pas. Il est malheureusement verrouillé. Très bien. Pièce suivante. Oh, barre de fer. Avec la barre de fer, tu peux tout il faire. Il s'est fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. Eh, j'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où en trouver. Ouais. Ok, ça, y a rien. Et on trouve pas grand chose hein, quand même. Hein. C'est un peu ric-rac là. Hein. Là, niveau survie, c'est complicado. Tiens, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, c'est pas mal ça. Il va falloir que je trouve un établi bientôt. Ça serait cool aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Je sais qu'en restant appuyé sur triangle, on ramasse tout. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'aime savoir ce que je ramasse, tout simplement. Et donc, je préfère les prendre un par un. Hein. Ok. On est parti. Direction l'étage cette fois-ci. Peut-être l'ascenseur, non? Oula, regardez. Dommage. Et là, non plus. Allez, on y va! Viens, Dina! Ramène ton boule! Ça va swinguer! Ah! Je le reconnais pas non plus. Maison, très bien. On essaye vraiment de tout fouiller. Voilà. Oh. Ça, je prends aussi. Il est temps d'ailleurs d'aller faire un petit tour dans le sac parce que je peux me craft quoi. 100% à la vitesse de déplacement en écoute. Et ça, c'est insane, vraiment, pour le coup. Et ça, par contre, tenace. Au lieu de vous tuer, les attaques mortelles vous laissent une santé minimum, vous permettant de prendre la fuite. C'est très, très bien. Donc là, regardez, je suis censé aller deux fois plus vite. Comme ceci. Ok, là, il n'y a rien. Rien non plus. Pièce suivante. Ils sont fait tuer par balle, mais ils reconnaissent personne. C'est bizarre, non? Un peu, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Et en plus, corps encore chaud, c'était il n'y a pas longtemps. Samedi 29 mars, notre attaque au poste de contrôle de la Freda a marché. On a tué au moins 3 de ces brutes contre quelques blessés de notre côté. Au lendemain des pertes subies, ça faisait du bien de riposter. Ce soir-là, on a élu Isaac comme nouveau commandant. C'est un peu tendu. Le fait qu'il ait exécuté sommairement ses prisonniers dérange plusieurs personnes. Mais je l'aime bien. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Vendredi 4 avril, je suis crevé. Mais c'est pas étonnant. On a reçu 8 nouvelles recrues en quelques jours. Et 6 d'entre eux étaient des déserteurs de la Fedra. La directive d'Isaac cartonne.
Ou alors, c'est tout, c'est Flyers. On nous prend au sérieux maintenant. Le WLF est devenu une véritable alternative. On va engager ces fascistes et reconstruire sur les fondations qu'avaient posées Emma et Jason. Très bien. On garde, on sait jamais. Ça peut être utile. Hop, allez, dégage, hein. Fous-moi la paix. Fous-moi le camp d'ici. Là, je suis là pour tout fouiller, moi, j'en ai rien à foutre. Allez, faut partir, madame. Ok, là, y a rien. Voilà, tu vois. Petit scotch, comme ça, une petite bassine. Très bien, pièce suivante. Ça swing, hein. C'est un coup de Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais. Bien! Bien! Ça commence à manger sa mère par ici, allez, ça me fait plaisir! On va sortir par là. Ah, alors! Ouais. Petit bâtard, va! Tommy, c'est le vrai frère. La vérité, Tommy, c'est le vrai frère. Il remplacera jamais Joël, mais c'est le vrai frère, putain. Les gars, Tommy s'est débarrassé d'une petite salope. Sachons apprécier ces choses-là. Hop. Je vais garder ma barre de fer, parce qu'avec la barre de fer, on peut vraiment tout faire pour le coup. Et je pense qu'on peut dire un GG Tommy en commentaire. Parce que quel plaisir! Quel plaisir. Ok. Là, on n'a plus rien. Et là, c'est la sortie. Bah ouais, mais attends, il y a un truc qui me tracasse. Paillette dans tout ça. Où est Paillette? Attends. Hop, cascade. Où est Paillette? Bah, elle est là. Il est là, pardon. D'accord. Tu m'avais dit que Tommy en avait bavé par le passé, mais... La vache. Je sais. Est-ce que ça va? C'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion Ellie, de Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Oh, oh, oh. Attends que moi je commence à torturer des gens, il y a intérêt, hein, je vais me régaler. Écoutez, on va continuer. Et on va pas tarder à s'arrêter là. Parce que mine de rien... Oh, gateway, gate est. On a le code en plus, ça tombe très très bien. Il y a un truc qui me tracasse, hein, c'est comment aller chez le mécano, putain, c'est terrible. C'est terrible. Code générateur. Et moi du portail. Tu te souviens du code? Celui écrit avec du sang? Ouais. Ah oui, il faut que je fasse le générateur, terrible. Excuse-moi, j'ai voulu voler ta place, on va ouvrir ça.
C'est bon. C'est bon. Pour... moi. La vraie question est... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on avance, tout simplement. On avance et on va s'arrêter là, les amis. Je propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. J'ai encore ces trucs aux amandes, si jamais t'as un petit creux. Ça va, merci. Il faut que tu manges. Oh mon Dieu. Quoi? On aurait dit ma mère. Ça va aller. Bon, on va trouver... Putain. Dina. Chopez l'autre. La perdez pas. Allez. Dina. On essaye de se casser, ça sent pas très bon. Oh là là, non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai! Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous? Juste vous deux? Tu m'arrêteras pas. Jordan! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson? Ouais. Cette fille était là. Quoi? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Il faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de le contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Wow, 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 wow. Attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. Combien ils sont, on les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Maintenant, tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas... Dina! Dina! Espèce de fils de pute, mais il va tuer tout le monde, ce bâtard! C'est pas vrai! Il a pas assez souffert encore. Alors, Jordan. Est-ce que ça va? Sûrement. Ellie. Il faut qu'on parte. Ils ont forcément entendu les coups de feu. Regarde. C'est une des leurs. Viens, on verra ça plus tard. Il y avait une station télé sur la carte? J'en sais rien du tout. Allez! Putain, Ellie! Oh putain, j'ai eu peur! Bon! Fais le tour! Termine-les! Aïe! Toi, fais le tour. Ok. Hasta la vista, baby! Enfonce.
T'as non, vu combien je pense de pas. Gars Suffisamment. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Non. On foutra le camp au prochain épisode. Évidemment, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la suite de notre aventure. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.